Salut à tous, c'est Aquilon, on se retrouve sur la suite d'Oblivion derrière la mystérieuse porte. Non, j'ai pas intention de jeter un sort pour l'instant. Quoique, on va peut-être regarder ce que j'ai. J'ai quoi pour l'instant? Guérison, bah ouais, c'est pas mal, écoute, ça peut servir, mais pour l'instant. C'est l'heure de la fufu. Reviens là, espèce d'oryctéope mal léchée. C'est l'heure pour toi du souffle glacé de la mort sur ta nuque. J'ai dit la nuque, hein. Quoique ça sonne pas mal aussi. Bon, j'ai jamais compris par contre comment récupérer sa flèche. Parce que vous voyez que ça baisse mon endurance. Ce qui est chiant. Et est-ce qu'en faisant ça... Bon, bah je tire ma flèche, je récupère ma flèche. Est-ce que quelqu'un sait comment faire? Parce que c'est quand même vachement relou. Votre discrétion, t'as l'air accru. Oui, en sautant partout dans le noir. Bon bah je suis large en poids que je peux porter, donc je vais tout prendre, je revendrai un torche. Allez hop, on y va. Il est où le rat? Il est là, hop. C'est l'heure de ta mort, petite bête. Je crois que je suis un ninja raté. Pouf. Mais alors dans le genre complètement raté, hein. Oui, merveilleux, hop. 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 Bon. Est-ce que j'ai pris ce qu'il y avait dedans? Oui. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Non. On va faire une save. Non, non, tous les... Reviens! Oh merde! Ok, on va fuir tous les deux. Tu sais quoi? Je vais t'appeler. Je vais t'appeler Rémi. Et on va fuir, toi et moi. Allez, attaque, Rémi, attaque! J'ai dit attaque, Rémi! Rémi, tu es une lavette! Tu es un mauvais rat! Tu seras jamais mon familier! Pourquoi est-ce que dans tous les jeux il y a des zombies? C'est débile. Non, on va laisser le crâne et l'os là où ils sont. Rémi, tu as été faible, je te renie, tu n'es plus mon Pokémon. Ouf. Ah! Il m'a pas vu. C'est intelligent normalement un rat, vous savez. Bon, bah ceux-là sont intelligents, mais à la mode Bethesda, c'est-à-dire intelligence artificielle programmée avec le cul. Tout ce que j'ai à dire. Bon, on a réussi à s'en tirer sans se prendre de coups. Moi, GG, on sauvegarde. Donc là, ça pue le truc. Quoi, je l'ai raté? Mais non, je l'ai pas raté. J'ai l'impression que j'ai progressé en archerie, j'ai fait one shot maintenant, alors qu'avant il m'en fallait plein. Ou alors c'est peut-être... Ah non, c'est vrai que... Viens-y. Allez. Allez, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Attaque-moi. Je t'avais dit de pas m'attaquer. Hop, tout prendre. Hop. Merveilleux, on prend tout. Donc, je disais avant de me faire attaquer par Rémi et sa famille,
que tous les Elder Scrolls commencent pareil, enfin, quasiment tous les jeux Bethesda en fait. Hein. C'est-à-dire une évasion de prison. Je dis tous les jeux Bethesda, en fait, j'en sais rien, j'ai pas joué à tant de jeux Bethesda que ça, mais enfin, je prends comme exemple Skyrim et Dishonored, enfin les deux derniers auxquels j'ai joué, quoi. Chaque fois, ça commence par une évasion de prison. Qui nous sert de tutoriel aussi. Et je sais plus d'où je viens. D'accord, c'est par là où est-ce que je vais. Et oh, on va sauvegarder, hein. Oui, mais oui, on va sauvegarder. Elle me plaît pas du tout, cette salle. On va même se mettre en fufu, tu vois. Oh, c'est rien, c'est un rat, d'accord. Je serai obligée de passer par là, mon petit père. Voilà. Une flèche dans l'œil pour être sûr qu'il est bien mort. Toute façon, je m'en fous, je peux récupérer une flèche. Mais là, il y a un coffre, par contre. Ça, c'est bien. Oh. Alors, on va faire ma technique secrète. Ma technique de cheat. C'est-à-dire que si je vois que je casse vraiment trop de crochets dessus. Ah, mais vas-y! On fait sauvegarde rapide. Et on annule tout, on recommence. Retour dans le temps. Boucle temporelle. Tada! J'ai gagné des crochets, de l'or et des torches. Ouais, j'ai gagné plus de crochets que j'en ai cassé en plus. Ça, c'est bien. Salut. Bon. Je frôle la mort, mais non, je frôle pas la mort, il dit n'importe quoi le jeu. Alors la santé ne remonte pas toute seule. Il faut se planquer dans un coin et attendre. J'ai ramassé c'est quoi là exactement? Une laitue! Merveilleux, c'est exactement ce qui me manquait pour devenir la seconde sauveuse de l'univers. Ma santé ne remonte pas toute seule, il faut soit dormir, soit attendre. Donc je vais finir de ramasser tout ce bordel. Oh, du fromage! Oh, encore du fromage! Bouclier, j'ai déjà, mais bon, on en reprend un, on sait jamais. Ça se vendra pas cher du tout, mais ça se vendra. Hop, on va attendre 1 heure. Et hop, 1 heure plus tard, full life! J'ai pas bougé d'un centimètre, mais je vais vachement mieux. C'est quoi ce truc orange? Ah, une tomate qui a l'air d'avoir traîné de 400 ans dans la poussière. C'est exactement ce dont j'avais envie, là, maintenant, tout de suite. Hop. Sauvegarde rapide, j'ai la maladie, la sauvegarde rapide. Et la maladie dit, il est peut-être mort, mais je tape encore. Pouf, pouf, pouf. J'avais dit objectif chouchou, c'est ça? Bon, d'accord. Si vous voulez, on va faire la même chose, mais à quatre pattes. Bon, d'accord. Je sais pas c'est quoi. Ah! Mais non! Allez, à main nue! Allez, bouffe! C'est normal que je fasse plus de mal à main nue qu'avec une arme. Ouais, j'ai commencé fufu, je vais finir boxeuse. Oh, potion de guérison, c'est bien, ça, parce qu'on en manque après. Allez, il y a bien quelque chose au bout de ces couloirs. Oh, des champignons. Champignons. Oh, des cadavres. Alors ça me servir pour l'alchimie. Oui. Oh, un roupie. Ah, parfait, ça ira quand même. Gobelet en argent. Un type mort. Calcul.
Or, crochet. Des potions. D'ailleurs, je sais pas où il est planqué ces potions, mais je veux pas savoir d'ailleurs. Un rat. One-shotted. Parce que j'étais en mode fufu, donc ça lui fait plus de dégâts. Faut écrire des raccourcis. Ouais, merci, j'avais remarqué. Et je ne peux pas encore. Oh là, ça sent le gobelin. Ça pue le gobelin même. Un mutinus elegantus. Elegantus, je suppose. Ça pue le gobelin. D'accord, donc ça ne réagit à rien. Je peux pas le couper, non, libérer ces pauvres crânes. Enfin, je veux dire, il y a des gens à qui ont appartenu ces crânes. Peut-être qu'ils méritent une sépulture décente plutôt que de servir de guirlande de Noël et une bande de petits trucs verts et attardés. Bon. Sauvegarde! Arc! Fufu, non, j'étais déjà en fufu. Hop! Sais pas du tout depuis combien de temps j'ai commencé. Mais oui, on va passer discrètement. On va même le faire passer discrètement de la vie à la mort. Je sais pas pourquoi ils ont des bruits de singes. Alors par contre, une fois qu'ils se sont pris une flèche, ils savent directement d'où ça vient. Là, il y a une flèche dans le cuisinier. Ah, d'après le théorème de Pythagore, mon agresseur doit se trouver exactement dans ce recoin sombre. Près de la porte que personne ne garde. Donc les plumes, c'est pareil, c'est un mode, je crois, qui me sert à faire des flèches pour être exact. Oh, une tunique à colle, ça serait un petit peu plus classe que pour me balader en ville. Faire du shopping, aller draguer. Est-ce que t'étais tout seul, frère gobelin? C'est pas du tout ce que je veux faire. Voilà, c'est ça que je veux faire. Ah, un mortier, je peux recommencer à faire des potions. Par contre, c'est quoi le... J'ai 6 de talent, quoi, c'est ridicule. Oh, j'ai 7 de talent, c'est vachement mieux. Je porte trop de choses, évidemment. Mais je vais faire des potions. Alors, les potions. Combinez les ingrédients avec des effets similaires pour fabriquer les potions des poisons. Votre talent d'alchimie leur donnera encore plus de puissance. Utilisez des ustensiles supplémentaires pour améliorer la puissance de vos potions. Tada, ça consiste à faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Voilà. Retirer, parce qu'il n'y a plus rien qui va avec. Ça, est-ce que je peux... Non, il n'y a rien qui combine. Chair de mort, est-ce qu'il y a quelque chose qui va avec? Oui, la viande de rat et la chair de mort, ça s'associe parfaitement pour un goût absolument unique. Réduction de fatigue, oui, mais oui. Quand je mange du rat et du cadavre, je me sens tout de suite vachement péchu, hein. C'est mieux que le Red Bull. La laitue, est-ce que ça va être quelque chose? Mais oui, ça s'associe très bien avec le morceau de fromage et de la tomate pour créer une merveilleuse salade au piment d'Espelette. J'aime le piment d'Espelette. Et toi, on a dit que t'allais avec rien, voilà. Bon, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Je suppose que je suis toujours trop lourde. Non, même pas!
Parfait, parfait, tout ça a été absolument prévalidé et totalement voulu. On va sauvegarder. On va faire un changement rapide parce que là j'ai été un petit peu trop. Puis un petit peu pas assez. Enfin, vous voyez quoi, chuchu, tout ça. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Ah. Voyez la corde qui barre le chemin, ça va activer un piège. Peut-être moyen. Je lui tire dessus. Il me fonce dessus. Il se mange son propre piège. Il crève. Ça a plus ou moins marché. Bon d'accord, ça n'a pas marché du tout. Merveilleux! Bon, le premier qui dit que c'est un fail a totalement raison et gagne un bonbon à la menthe. Je crois qu'on va se reposer une petite heure. Hein. Voilà, juste une petite heure. C'est très bien. C'est très très bien. Alors j'ai quoi comme armure sinon? Mais non, on a dit que ça servait à rien. Au moins en double. Ça je pourrais le vendre, je pourrais le vendre. Les menottes, ça sert à rien. Ça pèse rien, mais ça sert à rien quand même. Chambière de fer, je ne l'utiliserai pas. Mais bon. Je vous sens à quoi là-dedans? Ouh, sexy. Pas sexy, mais alors pas du tout. Non, on va remettre les cuirasses en fer, hein. Puis on va y aller. Bon, bah mon plan a lamentablement échoué, mais ça aurait pu marcher dans une autre vie. Là, il y a quoi là? Un thorax. Quel est le sens de tout ceci? Une porte qui grince. Un rat mort. Que se passe-t-il par ici? Commencer par là. Commencer par là. J'ai des fourmis dans le bras, c'est très con ça. J'ai commencé à avoir un petit peu beaucoup de crochets, de flèches, non? Ah, non, toi, interdiction de passer. Hop! Interactivité du décor! Bam! Ils sont morts. J'ai gagné 2 pommes. Manger des pommes. On va sauvegarder parce que c'était quand même une magnifique action. Ça, c'est quoi comme marque? C'est le même que celui que j'ai, non? Ouais, d'ailleurs, j'en double. Ça sert à rien. Des crochets, une plume. Des flèches. Ah, pointe en os. Ça me servira. Pour fabriquer. Des flèches avec mon super mode.
je n'aime pas ça. Pas ça. Du tout. Il m'a pas vu. Tic, tac, tic, tac. Tu la sens avancer? L'heure de ta mère. Bon, c'est un fail total, je recommence. Désolé. Mais là, c'était vraiment un fail total. Merde. Mais non, mais genre là, il me voit alors que tout à l'heure, il me voyait que dalle. Et cette musique qui est quasiment la même que celle de Harry Potter à l'école des sorciers. Le jeu vidéo, et c'est normal car c'est le même compositeur, Jeremy Soule, qui est aussi le compositeur génialissime des musiques de Guild Wars et Guild Wars 2. Donc on le pardonne de s'auto-pomper. Hein. Bon, si j'avais un talent pareil et une bite, je m'auto-sucerais la bite. Voilà, c'est dit. Mais c'est dégueulasse, il vient que pour me taper, sinon il me repère même pas. Allez, viens, viens. Regarde tout ce qu'on peut faire. Regarde tout ce que je vais te faire avec ma grosse dague. Voilà. Avant t'étais un gobelin, maintenant t'es plus rien. Et je gagne un couteau. Sauvegarde. Quoi, qui a dit que j'étais que j'y allais en mode discrétion et tout? Non, j'en ai ras le bol, la discrétion c'est pour les femmes. Je sais que je suis une femme, mais enfin, faut pas exagérer, non. Ah, qui a fait ça? Dénoncez-vous. Dénoncez-vous. Ah, fuite. Sort de guérison. Ah merde! J'ai fait demi-tour. Je suis stupide! Non! Je crois que je ne l'aurai pas, ou en tout cas pas comme ça. Bon. Mais il est où mon couteau? Est-ce que j'aurais perdu mon couteau par hasard? Ah bah voilà. Bon, c'est l'heure de la popo, les gens. Il est où le mage gobelin? Il est où le mage gobelin? Il est là! Bah avance! Qu'est-ce qui te fait peur? Oh! Oh, c'est ton propre piège? Non, même pas. Non. Il fait quand même super mal, l'enculé. Ouais, 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 je sais. Tu me balances des boules de feu, des boules de glace, des boules de neige, des... Ah, bah putain. Ah, ça vaut cher, ça. Non, la cage thoracique, merci, mais le reste, ça m'intéresse. Merde, je porte encore trop de trucs. Bouclier de fer, ça vaut cher, mais je m'en servirai pas. Ça ne me servirait pas, mais ça vaut vraiment cher.
Ça, non seulement ça veut rien, mais c'est lourd. Voilà. Ah, c'est une sorcière! Pardon, madame. Je n'ai pas vu votre splendide paire de seins tombant. Bon, allez, on continue. Eh bien, résistant le gobelin. Ouh. Alors, c'est peut-être moi qui suis une quiche, je vais savoir. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Je suis pas sûre d'avoir bien entendu. Quoi, t'en as? C'est merveilleux. Oui, non, ça, on a dit que c'était de la merde, j'en veux pas. Attendez, je réfléchis. J'allais dire que c'était intelligent de les libérer pour qu'ils bouffent les gobelins, mais en fait, ils sont tellement stupides que... qu'ils auraient rien fait du tout. Voilà. C'était pas un assassinat, c'était un euthanasie. La pauvre bête souffre, regardez. Je mets juste fin à sa douleur. Et toi, t'es encore plus con que les autres. Oui, d'accord. Bon, bah, moi, ils m'auront fait gagner en archerie. Alors, quand est-ce qu'on sort de cette merde? Je commence à en avoir marre. C'est pas ce que je voulais faire. Ah, marteau d'apprenti, ça va me servir à réparer mes armes. Parce que le système n'est pas du tout le même que je suis dans Skyrim. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de forge ni de quoi que ce soit de ce genre-là pour réparer. C'est juste un style, on a juste besoin de marteau d'apprenti. Sauf que plus on martèle, plus on gagne en niveau et petit à petit on peut faire des choses un peu mieux. Sauf qu'il n'y a pas de point de talent. Et oh, un bug! Il y a eu un bug d'affichage là, non? C'est moi. Mon dieu. Que nous attend-il derrière cette porte? Je me le demande bien. Bah écoutez, vous le saurez dans l'épisode prochain. En attendant, portez-vous bien et ne mangez pas de viande de rat, s'il vous plaît. Ou vraiment, si vous n'avez pas le choix, parce que je crois que c'est assez dégueulasse. Puis en plus, c'est plein de maladies. Et oh, un coffre! Ah, trop bien! Des flèches et des crochets. Allez, ciao!